Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Dans le même bateau, voici le titre d'un ouvrage éclairant sur les civilisations humaines. Le livre a été écrit par Peter Sloterdijk, un philosophe allemand héritier de la théorie critique de l'école de Francfort. L'auteur nous ramène au début des civilisations avec les hordes tribales faisant fi de la vieille nature, puis la civilisation naît dans les sociétés de classe qui s'exprime par l'utilisation de l'homme par l'homme, pour terminer par notre civilisation perdue dans une sorte d'individualisme post-social qui produit et exige tout à la fois un haut niveau de privilèges sociaux, contribuant ensuite à détourner l'individu du système qui l'a engendré. Sur cette dernière phase, l'auteur n'est pas tendre avec ce qui lui semble être le dernier homme, puisqu'il n'est plus dans le processus de reproduction, mais entièrement égocentré sur l'instant présent de sa propre vie, sans penser à hier, sans penser à demain. Pour mieux comprendre sa pensée sur cette dernière variation de l'homme, un extrait de l'œuvre. Si les Occidentaux n'ont pas de mal aujourd'hui à se définir comme démocrates, ce n'est généralement pas parce qu'ils ont la prétention de soutenir la communauté publique par des efforts quotidiens, mais parce qu'ils considèrent à bon droit la démocratie comme la forme de société qui leur permet de ne penser ni à l'État, ni à l'art de l'appartenance. Il y a de bonnes raisons de supposer que l'individualisme moderne annonce une troisième vague d'insularisation dépassant largement les standards d'individualisation de la vieille Europe. De nombreux individus commencent maintenant à se mettre en état d'insularisation vis-à-vis de la société en général. Si c'est Emmanuel Kant qui a parlé le premier, au début de l'époque bourgeoise, de l'asociale sociabilité de l'être humain, deux siècles de modernité ont largement suffi à éclairer tout l'aspect négatif de la formule. Dans cette perspective, la démocratie serait le consensus politique des non-politiques non sociables. Suivant la logique des rapports engendrés par la société industrielle, un nombre croissant d'individus se mettent à dériver vers un état de solitude secondaire que des expressions moralement connotées comme apolitiques ou asociales ne peuvent traduire de façon qualitative. On a presque l'impression que le petit appartement d'une pièce est devenu le point de fuite de la civilisation et le célibataire le couronnement d'un processus de raffinement anthropologique qui a duré des millénaires. Nous choisirons ce terme même si de nombreux indices nous révèlent que raffinement et abrutissement, bien-être et mal-être, s'inscrivent de plus en plus sur des trajectoires convergentes. Il y a toujours davantage d'individus que l'on peut définir, en regard de leur mode de vie et de leur propre appréhension de soi, comme des îlots nomadisants. Dans l'individualisme du logement visible, dans les métropoles postmodernes, l'insularité devient la définition de l'individu lui-même. On se souvient que le terme d'insularisation marquait en première instance la sécession des hordes primitives vis-à-vis de la vieille nature. Par seconde insularisation, nous entendions l'utilisation de l'homme par l'homme, typique des sociétés de classe dans les grandes civilisations, caractérisée essentiellement par le dédoublement de l'évolution en zone offensive à haute chance de succès et en culture défensive de paupérisation. La troisième insularisation, partie des archipels riches à haut niveau de chance, engendre une sorte d'individualisme post-social qui produit et exige tout à la fois un haut niveau de privilèges sociaux contribuant ensuite à détourner l'individu du système qu'il a engendré. Dans l'édification de la société, cette troisième vague a besoin d'individus qui ont de moins en moins besoin de la société. Le socialisme se trouve réalisé sous forme d'un asocialisme. Le terme de différenciation, employé dans la théorie des systèmes, peut ainsi non seulement caractériser des sous-systèmes, comme la politique, l'économie,
la science, la médecine, la religion, l'école, le sport, les communications et le droit, mais aussi la situation autosphérique des individus dans la société de l'ère industrielle. Chaque individu a tendance à devenir pour lui-même ce système psychique que nous présentent les descriptions les plus avancées. Placé sur son orbite de différenciation, chaque individu ressemble à une fusée sillonnant ses propres espaces sidéraux. Il semblerait que les théories modernes du système soient déjà porteuses d'une nouvelle forme de pensée caractérisant la logique de la troisième vague d'insularisation et de la rationalité de l'ère industrielle. Il s'agit là d'une logique des fonctions, des relations, des fluidifications, ou pour parler comme Luhmann, d'une pensée portant sur une complexité sans attache. La perte de l'empire en politique trouve son corollaire logique dans la perte de toute base et son corollaire anthropologique dans la crise de la parenté et du principe généalogique. Cette troisième vague d'insularisation a tendance à annuler le primat de la répétition sur le renouvellement dans le processus vital de la société. Les individus vivant sur le mode individualiste ont une histoire qui ne se cale plus sur l'idée directrice de la répétition de l'homme par l'homme. Dans l'individualisme de l'ère industrielle, le dernier homme n'est pas seulement ce positiviste sociable qui a inventé le bonheur avec ses petits plaisirs pour le jour et ses petits plaisirs pour la nuit. Le dernier homme est bien davantage l'homme sans retour. Il est inclus dans un monde qui ne reconnaît plus le primat de la reproduction. Dans l'appréhension qu'ils ont d'eux-mêmes et plus encore dans la place qu'ils occupent dans le processus des générations, les individus de ce type sont aussi bien des hommes nouveaux que des hommes ultimes. Ils vivent dans le sentiment du non-retour. L'individu totalement individualisé recherche l'expérience qui est à elle-même sa propre récompense. Il mène sa vie comme consommateur ultime de lui-même et de ses chances. Mais pendant que les différentes scènes de la culture travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et célèbrent l'inconséquence, on assiste depuis quelques années à une discussion d'un type nouveau. Le débat lancé par des écolo-économistes progressistes montre comment l'intelligence du sous-système dominant a percé à jour le plus grand risque constitutif de l'industrialisme. On accepte de se rendre compte que tout le système est enraciné dans l'idéologie d'une productivité non reproductive, variante économique d'un diagnostic nihiliste. Le processus industriel développé à grande échelle détruit davantage de réserves naturelles et humaines qu'il ne peut en produire ou en régénérer. Dans cette mesure, il est aussi autogénérateur qu'un cancer, aussi créateur qu'un feu d'artifice, aussi productif que la culture de la drogue. Ce qui a été célébré pendant plus de deux siècles et presque sans fausse note, comme exemple de la productivité humaine, révèle maintenant de plus en plus ce qu'il peut avoir de destructeur et d'avide. Pendant toute une série de générations, des jeunes vivant plus, consommant plus, détruisant plus, ont remplacé des générations anciennes, relativement conservatrices, relativement économes, relativement discrètes. L'homme ultime, l'individu sans retour, se manifeste aussi peu à peu au niveau des marchandises, des matières premières, des espèces et finalement des biotopes et des atmosphères, tous marqués par le non-retour. Les hommes ultimes ne peuvent éviter de tirer des conclusions pour eux-mêmes en regard des choses ultimes et des natures ultimes. Ainsi, arrivé au dernier stade de son évolution, l'homme devrait repenser son ascendance et sa descendance pour s'inscrire dans le présent, sans penser sa vie comme une fin en soi et ses actions comme légitimes lorsque celles-ci sont délétères pour les générations futures. Je n'en dis pas plus et vous invite évidemment à lire « Dans le même bateau » de Peter Sloterdijk qui ouvre la voie à une réappropriation du politique avant la fin annoncée. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment ? Super green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, tu vois, mais tu vois le green, 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 green.